Coucou, c'est votre Lovalo en Congo, ça. Je dis, hein, vous voyez la jolie fille qui était derrière moi là-bas, là. Elle s'appelle Evir. En tout cas, son nom de famille, là, c'est compliqué comme son comportement. C'est la troisième dauphine Miss 2020. Asseyez-vous par terre, je vais vous expliquer. La vidéo que vous avez vue pendant la finale de Miss 22, où il y a une jeune fille qui est en train de soulever sa robe pour séduire le tonton qui est assis à côté d'elle là. Où elle n'a pas porté caleçon là, c'est la fille là qui est là. Tantou Koyo Koyo tiré là, c'est elle qui a arrêté là. Pendant que ses amis sont en train d'avancer, elle là, c'est pour aller séduire mari des gens. C'est pour aller séduire, aller vendre son piment. Aller faire cochléa en plein midi. C'est-à-dire qu'elle a fait cochléa dans le noir jusqu'à ça n'a pas marché là. Donc c'est dans le public pour elle s'en faire cochléa. Eh, femme, un peu de dignité. On peut faire ça. Donc toi, tu es élue dauphine. C'est pour aller vendre piment. Ah! C'est elle qui a dit que son parrain là, c'est Bitogo. Je ne sais pas si c'est ça. Bitogo là. Elle dit que c'est son parrain. J'ai dit les filles n'ont plus honte. Hein? Et puis elle n'a pas porté. Elle n'a même pas porté caleçon. Elle était sans caleçon. Une robe qu'elle avait portée là. Il n'y avait pas caleçon en bas. Ça veut dire que si elle avait gagné un client ce jour-là, peut-être qu'il y a les toilettes qui ne sont pas levées. Elle fait un dangereux debout qu'il promasse. On peut faire ça. Jolie femme aussi. C'est quel genre de comportement ça? Non, mais sérieux. Mais tu penses que tu vas rester toujours comme ça? Tu sais pas qu'un jour tu es appelé à te marier. Et puis on voit ta midité là. C'est dehors là-bas. Et ce que le monsieur, même vraiment le monsieur. Pardon, il faut qu'on retrouve ce monsieur là. Parce qu'il a protégé son foyer. Il a été vigilant. Il sait que sa femme va tomber sur ce genre de vidéo là. Il est resté concentré sur son téléphone. Hein? Il est rentré concentré des briseuses de foyer, des voleuses de mari comme ça. Adama, donc tu es jolie là, tu as un lourd comportement. Donc toi, toute cette beauté là, tu n'as pas eu garçon, hein? Tu n'as pas eu mari, hein? C'est pour aller voler le mari de ta camarade. C'est pour aller briser le foyer des gens. En tout cas, le monsieur, toi tu es garçon. Un homme rare qui est resté branché. Si son pantalon, si c'est-à-dire que si son, même si son bazooka était dressé dans le pantalon, mais il a serré ses pieds, puis il a concentré sur son téléphone. Ouais, ma chérie, tu as fait.